Bonsoir à tous. Je pense que le direct est en train de fonctionner. On va patienter quelques secondes. Va patienter quelques secondes, le temps que Pierre revienne et que les gens se connectent. Il est 20h29, nous commençons dans quelques secondes. Bonsoir Pierre. Salut! On attend quelques secondes, il est 20h29, une petite minute là. Et puis on rentrera dans le vif du sujet de la résilience alimentaire. Allez, il est 20h30, on lance les hostilités. Bonsoir à tous, c'est Thomas Châtelard pour Adrastia. Bonsoir Pierre. Salut. Nous nous retrouvons ce soir pour reparler de résilience alimentaire. C'est le deuxième live d'Adrastia sur la thématique. On a eu Mathieu Foudral de Prise de Terre la semaine dernière. J'ai beaucoup de plaisir ce soir d'accueillir Pierre sur ce live pour parler de résilience alimentaire. Mais on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, j'aimerais préciser une chose en fait en amont. C'est que Vas-y. volontairement, je n'ai pas regardé la partie numéro 1 que vous avez fait avec Mathieu pour ne pas être pollué. Super. Parce que je pense que beaucoup de bien, voire même que du bien en fait, de ce qu'il fait. Je ne voulais pas qu'on puisse imaginer que. Voilà. Donc je n'ai rien vu Eh bien, volontairement. génial. Mais je rattraperai et c'est je ne le boude pas du tout. Voilà. Super. Alors, me présenter, oui, voilà, donc je suis plus connu sous pseudo Pierre 1911, j'ai 52 ans, deux enfants. Je suis installé depuis trois hivers, donc un peu plus de 2 ans dans le Périgord vert. C'est mon troisième projet d'autonomie et où aujourd'hui, voilà, je suis sur à peu près 18 hectares. Et en 2 ans, voilà, ça n'a pas vraiment chômé. Et je suis parti volontairement d'une copie blanche, à savoir relié à aucun réseau, enfin, sauf le réseau téléphonique et d'attaque avec lequel on se parle ce soir. Mais la lumière que vous voyez ici a été autoproduite par des panneaux solaires. L'eau, c'est pareil, c'est dans les étangs et tout ça. Voilà, donc c'était une démarche volontaire, pas de bâtiment encore construit. OK. Voilà, donc volontairement de partir du truc le plus bas, même si je suis dans un endroit privilégié parce que encore très sauvage avec des étangs, des machins, mais je suis venu chercher tout ça. Mais on va dire qu'en gros, c'est alors les étangs ont été construits par la main de l'homme il y a une cinquantaine d'années, mais en gros, c'est la typologie de ce que tu peux retrouver ici quasiment en fait en naturel. Voilà, en gros. Ok, super. Qu'est-ce que tu faisais avant, Pierre? De C'est la quoi ta merde. vie? De la merde. Mais c'est ça qui m'intéresse. Non, en fait, je suis un ancien chef d'entreprise. Ouais. Alors, si on remonte vraiment en avant, vraiment au tout début, en fait, je suis né en région Rhône-Alpes et je me rends compte avec le recul que j'ai bénéficié d'un milieu très riche, alors pas financièrement, mais culturellement, sur la ruralité. Et sur les valeurs en fait de la ruralité, chose que j'ai absolument voulu fuir des deux côtés en fait de ma famille, parce que c'est des vieilles familles qui ont toujours été sédentarisées dans le même secteur, hein, à moins de 10 km l'un de l'autre, avec des profils un peu différents, mais des attaches à la terre, enfin oui, des attaches à la terre et à certaines valeurs. D'un côté commerçant un peu ayant réussi, et de l'autre aussi commerçants paysans, voilà, ayant plutôt aussi bien réussi, mais tout à la force du poignet. Et ça, j'ai voulu le fuir pour m'adonner à quelque chose de très high-tech, hein, parce que moi, c'était depuis tout gamin, c'était les ordinateurs, les ordinateurs, les ordinateurs. J'ai fait de la mécanique en fait avant parce que ça n'existait pas, les ordinateurs à l'époque enfin, il n'y avait pas très peu d'études d'informatique. J'ai réussi à reprendre le wagon de l'informatique. Et le déclic s'est fait. Donc, j'ai vécu très longtemps à Lyon. J'ai eu des sociétés, plusieurs sociétés en fait informatique. Et le déclic s'est fait au moment où ma fille est née. Et où là, j'ai. Enfin, parce que j'étais dans la roue du hamster, hein. Je sautais d'un avion à un autre. Enfin, j'avais plusieurs motos. Enfin, c'était débile.
Et quand elle est née, je me suis dit, mais je veux, non, enfin, je veux profiter du temps avec elle. Et le choc a été au moment où j'ai voulu l'immerger dans cette nature qui, moi, m'avait bercé et de voir le delta qu'il y avait déjà eu au bout de 35 ans, quoi. Tu vois, enfin, même pas 35 ans, parce qu'au moins, parce que, ouais, un peu plus de 20 ans, quoi. Et là, je me suis pris une claque magistrale. Et voilà, je dois beaucoup à ma fille à ce sujet-là parce qu'elle m'a vraiment réouvert les yeux. Et là, j'ai entamé en fait un très très long processus de, parce que c'est long, hein, même si on est très motivé, de migratoire dans la société, de changer complètement son fusil d'épaule. Et là, pour le coup, j'ai vraiment. A priori, t'as fait le retournement, quoi. Ouais, mais sans, enfin, là où j'insiste beaucoup, c'est que les gens qui me connaissent depuis très longue date ne sont absolument pas étonnés de là où j'en suis en fait aujourd'hui. Voilà. Et il faut savoir que je me sers de toutes mes expériences. C'est-à-dire que mon expérience de chef d'entreprise d'aujourd'hui me sert énormément parce qu'avoir une ferme, et c'est ce que j'ai, c'est du business. Pas au sens, en fait, enfin, c'est beaucoup d'administratif, c'est tout ça. Et toute la partie communication, c'est pareil, puisque moi, après, j'ai fait de l'informatique, parce que j'ai commencé à travailler sur Internet en 95, donc tu vois, c'était vraiment le tout début, voilà. Et tout ça me sert. Et je pense que c'est une valeur constante pour tout le monde. Enfin, c'est une donnée importante pour tout le monde, c'est-à-dire que même si on a eu des périodes de sa vie qui était très opposé à ce qu'on veut faire en fait aujourd'hui sur quoi. Ben, il faut savoir se servir de ces choses-là. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, bien au contraire. Voilà. Super. Merci pour ce partage un petit peu intimiste, finalement, de ce Pierre qu'on connaît derrière sa fourche et sa greninette. Et tu disais que le changement, il s'est fait au moment où tu t'es projeté en arrière pour finalement présenter à ta fille l'environnement dans lequel, je pense, tu as grandi, j'imagine, et que tu as vu ce delta donc entre ce que tu avais, l'environnement dans lequel tu avais vécu et l'environnement sur lequel tu l'as ramené, et tu voyais cet écart. Et bon, ça, c'est a priori du live que j'avais fait avec Charline, c'est vraiment la définition de la solastalgie, cet effet de se rendre compte que y a un énorme changement qui est en cours. Dans l'environnement dans lequel on vit. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête? C'est-à-dire, tu t'es projeté dans le futur à ce moment-là, en disant, mais ça va être comment dans 10 ans? Comment c'était? En fait, la projection dans le futur a toujours été une manière de penser. C'est-à-dire qu'en fait, à l'âge de 10 ans, je travaillais dans le restaurant familial et j'expliquais que d'ici quelques années, alors que personne n'avait d'ordinateur, hein, je veux dire, moi j'ai touché un TI 99 qui était vraiment le premier, un des, le ZX Spectrum aussi en fait. Enfin, c'est des trucs, mais enfin, on mettait ça dans des cartons à chaussures. Et à l'époque, je veux dire, personne n'avait d'ordinateur et je tenais déjà le discours à ma famille de dire, mais dans quelque temps, on aura des petits ordinateurs de poche pour aller prendre les commandes des gens, tu vois. Donc j'ai toujours eu cette vision à long terme. Et ce qui fait que j'ai toujours cherché à l'alimenter. Quand ma fille est née, j'avais déjà lu le rapport Meadows. Enfin, je l'avais survolé. Mais je n'en avais pas compris. Je voyais bien qu'il y avait des choses. Mais si tu veux, ça avait pas véritablement pris corps, tu vois. J'avais des. Je me rendais compte d'où je venais, que j'avais encore. Bon, j'ai beaucoup vécu étant jeune pour des problèmes familiaux dans la nature. Voilà, moi, ma porte de ma bouée de sauvetage, c'était d'aller vivre dans la forêt, tu vois. Et j'avais toujours cette appétence-là, j'avais toujours eu des épisodes où j'avais voyagé un peu en vélo, tout ça et tout ça. Mais quand ma fille est née, si tu veux, je me suis senti d'un seul coup responsable d'une autre vie, autre que la mienne. Je ne peux pas dire qu'en fait, c'est une superposition de couches et à la fois une connexion entre différentes parties. Un petit peu le rapport Meadows, un petit peu ci, un petit peu ça. Qui fait que d'un seul coup, il y a eu un maillage qui s'est fait et qui s'est dit, et je me suis dit, oh putain.
Waouh, et puis c'est quoi le sens? Voilà. C'est quoi le sens en fait de tout ça? Et j'avais fait toutes les étapes, d'ailleurs que certainement beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans. Quand tu, enfin, excuse-moi de nous mettre un peu dans le même bain de génération, toi et moi. Si tu veux, pour nous, la notion d'écologie, on ne l'a pas appris à l'école. Aujourd'hui, les jeunes se baignent là-dedans, il y a des initiatives, et tant mieux. Enfin, c'était bien pendant en fait, que ça soit fait. Donc, notre culture que nous sommes fait, en fait de l'écologie, ça a été quelque chose souvent en fait, de volontaire, ça a été quelque chose de cherché. On ne nous a pas amené cette matière première où elle était associée éventuellement à quelques idées politiques ou quoi que ce soit, mais ce n'était pas aussi simple que ça, en fait. Ce n'était pas aussi bien formulé, toutes ces choses. Et ce cheminement, si tu veux, je me rends compte que souvent, les gens, ils ont un point d'entrée. Ils vont avoir une maladie, ils vont se rendre compte que c'était par rapport à la nourriture, ils vont s'intéresser, en fait, à leur régime alimentaire. Et puis, du régime alimentaire, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est comment est produit. C'est bien de choisir ce qu'il faut manger, comment c'est produit, et ainsi de suite. Tu as une espèce de, si tu veux, de point de départ de la pensée, tu vois, en fait, de ce Oui, truc. tout à fait. Et moi, il n'y en a pas un vraiment marquant, si tu veux. J'en avais plein. Et c'est ma fille qui, à un moment, m'a fait… Ah mais oui, mais ça, parce que je faisais beaucoup de sport, je commençais déjà à faire de l'ultra. Et la question de l'alimentation est centrale dans ce type de sport extrême. Mais j'étais pas allé au bout en fait encore de la démarche et de la compréhension en fait du truc. Et je ne prétends pas l'avoir aujourd'hui, hein, parce que tous les jours j'en découvre. Est-ce Ok. que ça répond à ta question? Ça répond à ma question. C'est parce que justement l'alimentation était centrale que tu as décidé de te lancer sur un projet autour de l'alimentation? Non. Alors qu'est-ce qui a fait? Non, c'est ça. Moi, le premier truc sur lequel j'ai vraiment bossé, c'est sur l'écomobilité. Ok. Voilà. Je me suis énormément investi parce qu'une des premières choses que j'ai fait avec ma fille, c'est elle avait 18 mois, j'ai fait le tour de Cuba en vélo avec elle. OK. Voilà. Et j'avais déjà eu. Mais c'est des rencontres. J'avais un grand-père qui avait fait le débarquement de Dunkerque. Donc, il me l'a expliqué en long, en large, en travers. Et qui avait fait un autre truc, parce qu'à l'époque, ça vient de 1911, ça vient de là. Hein, il était né en 1911. Et il avait fait un deuxième truc un peu exceptionnel dans sa vie, c'est qu'il était allé à Lourdes en vélo. Et il me cassait les ronds avec son histoire d'être allé à Lourdes en vélo avec ses potes. Et un jour, je lui ai dit, bah, je vais te claquer ton beignet, mon gars, parce qu'en fait, à 18 ans, j'ai chargé le vélo et je suis remonté tout seul avec deux soupes déshydratées et une rustine, en fait. Et je suis remonté tout seul, en fait, de Perpignan dans la Loire, en vélo, comme ça, en fait, à l'arrache. Et donc, en fait, bah, voilà, j'avais cette culture-là, tu vois, du dépassement, de se dire, mais on s'en fout, machin. Et quand ma fille est née, eh ben, c'est ce que j'ai voulu. J'avais fait des scouts, tout ça, j'avais fait des camps itinérants. Et c'est ce à quoi, en fait, j'ai voulu l'ouvrir. Et c'est comme ça qu'en fait, que si tu veux, ce delta. Et l'écomobilité a été un élément un peu. C'est le truc sur lequel je me suis vraiment en fait investi et qui m'a ouvert. Parce qu'il y a un truc, hein, c'est que je ne sais plus qui dit ça, c'est Rousseau, je crois, qu'en fait, qui dit que le voyage commence en fait à partir du moment où tu montes dans le train. Enfin, tu vois, enfin, Ouais. et tout ce. Sylvain Tesson, l'auteur, a beaucoup écrit à ce sujet-là avant qu'il n'ait des problèmes de santé. Il a voyagé à pied. La question, en fait, de la rapidité avec laquelle tu te déplaces change complètement ta perspective du truc. Et l'écomobilité m'a énormément amené ce truc-là. M'a amené Le voyage à vélo m'a beaucoup amené la question de la frugalité, parce que quand tu pars, un kilo, c'est beaucoup. Quand c'est en trek, c'est encore plus. Donc, si tu veux, je l'ai abordé tout de suite avec des idées d'autonomie. Et puis, j'ai commencé à développer. J'achetais des vélos en Hollande. Il n'était pas question pour moi d'aller le chercher en fait en bagnole. Donc, je prenais un bus, je montais en Hollande en bus, et puis je redescendais avec le vélo en fait par la force des mollets, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, OK. Donc,
C'est ça le starter, on va dire, entre OK. guillemets. Et donc, à quel moment tu as basculé sur le procès, sur l'idée, le concept de d'une ferme, en fait? C'est une rencontre, c'est la rencontre de la mère OK. de notre enfant, de mon deuxième enfant, qui était médecin, qui exerçait en fait en périphérie de Lyon, mais c'était encore en fait la campagne. Et on a tout de suite eu le projet d'acheter un pavillon. OK. Et on s'est dit, enfin voilà, qu'on voulait. Elle était très sensibilisée à la question de l'alimentation. C'était pas par ce biais-là qu'on s'était rencontrés, mais ça matchait en fait là-dessus. Et on s'est dit, bah tiens, tant qu'à faire, autant lancer en fait de ce truc-là. Et moi, quelque part, je rêvais. J'avais passé les 20 dernières années à être enfermé en ville. Et tout le temps en train de partir. Enfin, j'étais l'un des seuls. Je vivais sur les quais du Rhône. J'avais mon kayak d'expédition qui était dans le garage. Le soir, quand on ne savait pas quoi faire avec ma fille, on tirait le kayak d'expédition sur le Rhône et on remontait le Rhône. On faisait des trucs. Voilà. Même si j'habitais en plein centre-ville, j'avais une appétence forte encore pour cette nature à aller. Du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre parce qu'elle était déjà installée là-bas, qu'on a acheté un pavillon, que j'ai vu que j'avais 1100 mètres carrés de terrain, mais c'était moi qui ne faisais pas pousser des tomates en plein centre de Lyon sur un balcon qui ne voyait jamais le jour. C'était d'un seul coup, si tu veux. OK. Et aujourd'hui, rappelle-moi, t'as quelle surface? J'ai 18 hectares pour l'instant. 18 hectares, et t'en cultives exactement combien? Une question difficile. J'ai à peu près 1 hectare de culture vivrière. OK. J'ai planté pas loin de 1000 arbres déjà, fruitiers. Enfin, porte-greffe, et puis certains sont déjà greffés qu'il faut que je greffe. Voilà. J'ai beaucoup d'étangs, j'ai 4 étangs. J'ai pas mal de forêts. Et puis j'ai les chevaux, et les chevaux, j'en ai 6. OK. 2 chevaux de trait, 4 poneys. Et ça, les chevaux de trait, bah, ça mange énormément. Et donc, il me faut de la pâture, il me faut énormément de pâture. Je n'ai même pas assez en fait en pâture à l'heure actuelle, tu vois. Et donc, je serai certainement amené en fait à me développer. Je précise tout de suite que les chiffres que j'annonce sont bel et bien pour avoir une ferme d'expérimentation. Oui, c'était le point que j'allais dire. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir. Je sais que c'est compliqué à faire un discernement entre 3 choses. C'est-à-dire que j'ai une ferme au sens administratif en fait du terme, qui impose un certain nombre de prérogatives en termes de surface, en termes de chiffre d'affaires, nanani, nanana. Ça, c'est un truc. Il y a un deuxième truc qui tord un peu déjà le premier, c'est que je suis dans l'expérimentation, hein. C'est-à-dire que la ferme ne m'impose pas, en fait, à la base, même si c'est faux ce que je vais dire, ne m'impose pas d'avoir 6 chevaux. J'en ai 6 parce que je veux faire du comparatif entre des chevaux de trait et des poneys en termes de traction animale. OK. Okay? Et dans tout cet univers-là, il y a un autre sous-ensemble qui est celui sur lequel j'essaye de travailler, de pouvoir définir un modèle pour 6 à 8 personnes et les rendre résilients. Pour 6 à 8 personnes sur l'alimentaire et l'énergétique. Ce troisième point ne nécessite pas 18 hectares. C'est le fait que j'ai dû, pour pouvoir avoir des coudées franches, avoir les 2 autres aspects qui Oui. expliquent qu'aujourd'hui, j'ai 18 hectares et qu'il me faudra certainement plus. Je ne OK. sais pas si je suis clair. Oui, moi ça, en tout cas pour moi c'est clair. Et C'est comme si, je pourrais expliquer pour être sûr qu'en fait que les gens comprennent bien. C'est comme si en fait un laboratoire essayait de mettre au point un système qui est extrêmement frugal en énergie et qu'on dise au laboratoire, mais vous devriez avoir comme ressource juste ce qu'il faut pour votre machine. Non, ça ne marche pas comme ça. Il leur faut forcément beaucoup plus de ressources énergétiques, Oui. puisqu'il leur faut fabriquer ce prototype-là, Oui. le monitorer, le tester, nanani, nana, voire même d'en avoir 10 de front pour être sûr qu'en fait, que quand ils vont livrer le résultat de leur truc. C'est pour ça qu'en fait, que quand les gens me disent, ouais, mais tu es sur un projet d'autonomie, tu as 18 hectares, tout le monde ne peut pas acheter 18 hectares, je dis, ouais, mais enfin, le raisonnement est faux. Oui. Le, donc l'objectif pour toi, à toi, c'est de développer, on va dire, un process d'autonomie, de résilience alimentaire pour un groupe de 6-8 personnes,
Et énergétique. Et énergétique, sur quelle surface? Alors, moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut 1 hectare par tête de pipe. Ok, ça c'est super intéressant. Alors, ces chiffres-là, je ne les sors pas du chapeau. Tu vois, ce n'est pas un chiffre que je balance, en fait. Voilà. Il y a des études extrêmement précises qui, aujourd'hui, je ne voudrais pas vous noyer les gens sur des chiffres, donc je vais essayer d'être concis. Il y a des études qui aujourd'hui disent que pour nourrir un Européen, il faut entre 4 500 et 5 000 mètres carrés de surface agricole. Ces 4 000, mettons que ce soit 4 500 mètres carrés. Sur ces 4 500 mètres carrés, il y a 2 000 mètres carrés qui sont pour son alimentation à cet humain, et il y a 2 500 mètres carrés qui sont pour l'alimentation des animaux dont l'humain va se nourrir directement parce qu'il va les tuer ou machin truc, ou des sous-produits de ces animaux, comme par exemple des œufs ou du lait, dont l'humain va se nourrir. On est d'accord? Et énergétique, Attends. sur quelle surface? Alors, Vas-y. énergétique, on va laisser tomber pour l'instant. On va rester sur ce focus. Pourquoi je dis 1 hectare? C'est parce que quand on a ces chiffres-là, les bananes qui sont dans le spectre alimentaire, elles sont produites en Côte d'Ivoire. Les dattes, elles sont produites en Iran. Le riz, il est fait au Suriname. OK? Si tu rassembles tout au même endroit, tu ne peux pas prétendre en fait avoir les mêmes surfaces. Parce qu'en fait, en gros, c'est un patchwork, c'est des puzzles. Ils ont pris 50 mètres carrés pour faire en fait les dattes. Et ils ont tout rassemblé et ils ont dit, bon voilà, il faut 5 000 mètres carrés. Donc déjà, en fait, ça ne marche pas. Si tu ramènes tout au même endroit, ça ne marche pas. Premier point. Deuxième point, ces chiffres, ils sont en face d'une agriculture dont on sait aujourd'hui à minima que pour produire 1 calorie alimentaire, on consomme 7 à 10 calories. Et essentiellement, en fait, fossiles. Donc, si tu touches, en fait, rien que ces deux curseurs, en disant, en gros, eh ben, je veux réduire la part pétrole dans mon alimentation et je rassemble tout au même endroit, j'annonce avec les conséquences de ce que ça veut dire, qu'il faut 1 hectare par tête de pipe pour s'en sortir. 1 hectare cultivable. OK? Tu rajoutes. Tu veux jouer sur la part pétrole. Un cheval de trait comme le mien, il lui faut 2,5 hectares par tête de pipe. Un cheval comme ça, il lui faut 2,5 hectares. Il lui faut 1 hectare de foin, 1 hectare de pâture et 500 et 5 000 mètres pour lui faire des céréales pour le complémenter. Un cheval comme ça, si tu le divises, si ce cheval, si c'est sur tu dis qu'en fait que tu as 6 à 8 personnes, ça veut dire que ces 6 à 8 personnes, elles prennent. Mettons 8 personnes, elles prennent un huitième des 2,5 hectares qu'il faut rajouter. Okay? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut largement 1 hectare par tête de pipe. Ce qui semble, enfin, je veux dire, ce qui semble une estimation pas sortie du chapeau, quoi. Il y a quand même, enfin, moi, ça me semble effectivement logique si on veut, notamment si on veut réduire la part énergétique, de devoir augmenter les surfaces, en fait. Il y a quelqu'un qui posait déjà la question en disant, mais si on réduit la part de la consommation de protéines animales, on pourrait réduire la surface nécessaire. Qu'est-ce que toi tu penses de la question? Alors, je ne peux pas dire que c'est un raisonnement qui est faux, mais pour moi, c'est un peu se tromper en fait d'objectif. J'ai fait le calcul suivant. Un chien comme j'ai, un malinois, qui est un chien fonctionnel, en gros, il faut qu'il mange l'équivalent d'un poulet par jour. Pour mener un poulet d'1 kilo, il faut 200 jours. Entre le moment en fait où tu décides. Un poulet de ce type-là, en moyenne, il va consommer entre 100 et 120 grammes de grains par jour. Si tu dois aller donner pour ton chien si tu dois donner à ton chien un poulet par jour, il faut que tu aies 200 poulets en front, OK? Multiplié par 100 grammes, ça fait 20 kilos de blé par jour. OK? Donc rien qu'un chien, c'est minimum. Pour pouvoir
lui donner, et ça serait déséquilibré hein, de lui donner parce qu'il lui faut autre chose que de la viande blanche, il lui faut de la viande rouge, il lui faut du poisson et machin, un truc. Donc, tu vois, même en faisant un truc ça veut dire qu'en fait, que tu es déjà avec une agriculture conventionnelle pratiquement à devoir avoir entre un demi et un hectare pour nourrir en fait un chien, en fait, en céréales. Tu vois ce que je veux dire? Et chose très importante, quand j'ai annoncé 4500 mètres carrés de culture, ça ne comprend pas les surfaces nécessaires à l'élevage. D'accord? Et c'est là où on est dans une société qui est complètement hors sol, c'est que comme on n'a pas, la, on n'est pas, en, on n'a pas, on produit pas, que les producteurs sont éparpillés, qu'il y a des intermédiaires entre ces producteurs, on maîtrise plus du tout cette chaîne-là. Et qu'il y a des gens qui font un boulot formidable, comme les greniers d'abondance, ils font un boulot formidable que d'aller rechercher ces chiffres, mais en commettant parfois en fait des erreurs, mais je les allume pas plus que ça en fait là-dessus, parce qu'ils font encore une fois un travail formidable, qui est celui vraiment d'essayer de comprendre quelle machine est derrière ce qu'on mange quoi, à l'heure actuelle. Donc le fait de réduire la part carnée, c'est sûr et certain que ça a un impact, mais pour moi, c'est pas le. Indépendamment du bien-être animal pour lequel on est bien d'accord, tout à fait. Enfin, je suis acquis à la cause. Hein, moi, ça ne me fait pas du tout rire. Je mange pas mes animaux. Je mange assez peu de viande et de poisson. Mais pour moi, en fait, l'enjeu, il n'est pas là. On prendrait. On sait qu'en gros, entre ce qui est produit dans le champ et ce qui arrive en fait dans nos frigos, la perte minimum, c'est x2. C'est-à-dire qu'en fait, on divise par deux. On prendrait, même avec une agriculture telle qu'on l'a fait au jour d'aujourd'hui, on supprimerait, ce serait les gens qui cultiveraient et qui fabriqueraient leur nourriture, on pourrait nourrir 2 fois plus de personnes. Le raisonnement, t'as saisi le raisonnement ou pas? Bah parce qu'en fait on les pertes au niveau de la production sont telles que Du transport, ouais. du stockage. Oui. Du coup, si tu réduisais ça, c'est-à-dire que tu ferais que du local ou que de l'ultra-local, on nourrirait, en touchant à rien, en fait, aujourd'hui, on nourrirait 2 fois plus de personnes. Alors, effectivement, sur la théorie, c'est le cas. De la même manière qu'on pourrait dire, si on divise la consommation de viande, ça divise le nombre de. Si on enlève la consommation de viande, ça divise le nombre de surfaces par deux. Mais techniquement, ça ne joue pas exactement comme ça. Parce que si on produit en local, ici, si chaque Français devait produire sa propre nourriture, est-ce qu'on aurait assez de terre en France pour Alors, produire. il se trouve qu'à l'heure actuelle, si on prend les 4500 mètres carrés, on a la SAU, la surface utile agricole exacte de la population française. Là où ça ne matche plus, c'est quand je te dis que moi, il faut le double. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est bien ce que j'essayais de glisser comme idée quand je dis, si j'annonce un hectare, ça veut dire qu'en gros, d'après mon calcul, on est capable de nourrir, et on est l'un des pays les mieux lotis au monde, Oui. que la moitié de notre population. Voilà. Donc, voilà. Et si tu veux, et ça, c'est ce que j'aimerais partager en fait avec les gens, c'est que pour moi, il y a qu'un seul juge de paix, c'est le terrain. Et je suis arrivé avec des grandes idées dogmatiques en disant, ouais, voilà, faut faire ça, nanani, nanana. J'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté mes graines et ils font un travail formidable, je ne leur tire pas dessus, chez Cocopelli. Mais aujourd'hui, je le dis clairement, vaut bien mieux aller acheter ses plants hybrides et fins chez Leclerc et faire sa bouffe sur un spectre large que plutôt de se dire non, 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 je vais partir sur Père Propre, j'achète mes graines Cocopelli, je pète les 3/4 en fait des semis et je vais faire 3 radis. L'enjeu, c'est d'autoproduire un maximum. Dans un deuxième temps, et tu auras forcément en fait des changements de posture, mais pour un truc tout simple, mon fils là qui va certainement. Tu viens me dire bonne nuit, Antoine? Ouais, et puis après, tu te couches à un tétin. Je veux dire, mon fils, je lui ai appris que pour pouvoir manger, s'il avait envie de manger du poulet, il faut tuer le poulet.
Si tu responsabilises les gens en disant, OK, tu veux manger de la viande, tiens, voici le couteau, tu l'abats, Oui. machin. Il y avait une campagne de sensibilisation Ah, comme c'est ça qui génial. avait tourné. Oui, C'était très je bien l'avais fait. vu. Oui, très juste, très juste. C'était Dans un un. resto, on dit ah, tu veux vous commander une côte de porc, on donne le couteau, puis on l'emmène dans la pièce d'à côté, et il y a un cochon. Allez-y. Alors ça, c'est le côté plus trash, mais je vais te dire un truc tout bête, hein. Si tu tues une poule et que enfin, cinq poulets, tu tues cinq poulets, ça te bouffe une matinée. Dis bonne nuit. Vas-y, fais. Allez, tu éteins. OK? Tu te couches, crapaud? Ouais, c'est ça. Donc, si tu veux, il y a, alors ça aussi, le terrain ramène une notion au temps où là où on est, où notre société, elle est, encore une fois, enfin, je vais utiliser ce mot à outrance, mais hors sol. Okay? Oui. Parce que tu veux te faire, en fait, tu as des gens, par exemple, tu as des sportifs, les bodybuilders, ils sont à un poulet par jour. Ben, quelqu'un qui voudrait simplement, un bodybuilder qui voudrait, on lui donnerait ses poulets vivants, il devrait les préparer, il sait qu'il perd une demi-journée à préparer, enfin plus d'une demi-journée, parce qu'une journée entière à préparer les poulets, c'est-à-dire les tuer, les vider, enfin les plumer, les vider, nanani, nanana, et ben, c'est quasiment une heure par, quasiment une heure par bestiole, quoi, tu vois. Donc, et ça, c'est un frein, hein, tout de suite. T'as pas les moyens de répondre à ton besoin. Je vois pas les questions, hein. Je sais pas où elles sortent, les questions. Elles sont en commentaire sur le chat, au cas où. Affichage, intervenant, galerie, bon. Réaction. Bon. Yves C'est qui pas dit grave. que tu l'as cultivée, tu la manges, la culotte, la carotte tendue. Ouais. Bon, quand tu as fait ton jardin, tu manges le radis moche, la tomate un petit peu tordue, pas Ah mais aussi jolie, oui. etc. Hein. Ah mais si tu veux, moi j'ai des exemples. Je me souviens, quelqu'un à qui. Il faut savoir qu'en fait, que le prix du haricot aujourd'hui, quand tu achètes des haricots, ce n'est pas le prix de ce que tu cultives, c'est le coût du ramassage. À 7 euros, les maraîchers ne sont pas rentables parce que le prix du ramassage, c'est au kilo, c'est au-delà de 7 euros. Okay? Oui. Donc, tu as de plus en plus en fait, de maraîchers qui cultivent des haricots et qui disent aux gens, vous voulez manger des haricots? Ouais. Vous m'avez acheté mon panier, vous allez dans le rang, vous prenez ce que vous voulez, tout ça. Bon. Et ben moi, j'ai vu des gens à qui je donnais des haricots, donc je m'étais emmerdé à Ouais. cultiver, à ramasser et tout ça. Ils prenaient la poignée de haricots, ils la posaient comme ça, en fait, ils prenaient la poignée de haricots, ils la posaient sur la planche, ils faisaient crac d'un côté, ils retombaient, crac de l'autre. J'ai vu faire ça une fois. Donc, quand tu fais ça, Oui. tu as des queues comme ça, et puis tu as des queues comme ça, quoi, tu vois. Oui. Et la personne, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai fait. Ben, déguste bien ces haricots parce que je ne t'en donnerai plus jamais. Quand je te vois faire ça, je peux te garantir que moi, la queue, j'enlève 2 mm, quoi, tu vois, je m'en cogne, quoi. Voilà. Sur des aspects pratiques, tu cultives comment? Est-ce que tu cultives en permaculture, comme un peu la tendance est là, ou est-ce que tu as une approche un peu plus pragmatique ou différente ou pratique pour toi, comment tu as réfléchi l'implantation et la culture des différentes cultures? J'ai 6 jardins différents. Ok. Donc, je fais de l'agroforesterie, je fais du MSV, je fais C'est de la quoi le culture, MSV? le maraîchage sur sol vivant. Ah oui. J'ai une serre bioclimatique. Je vais lancer, j'ouvre une deuxième ferme là dans le Gard. Et je vais faire de l'aquaponie dedans parce que ça nous est quasiment imposé à cause de la dégradation des sols, de la typologie, tout ça. Et là, je suis en train de mettre au point. Alors, j'ai rien inventé, hein. J'ai un peu adapté ce que Seppolzer faisait. Je me sers des animaux pour préparer mon sol. OK. Ah, un chat. Voilà. Donc, je multiplie en fait les systèmes de culture.
Il y a un truc sur lequel moi, c'est vraiment mon dada, c'est la matière organique. Donc, j'ai déjà organisé autour de chez moi des collectes volontaires de matière organique. Et toutes les semaines, je pars avec mes bidons. Là, je viens de m'acheter un C15. Je pars en attendant de pouvoir un jour peut-être le faire avec les chevaux, mais manque de temps et tout. Et je vais dans les restaurants et tout, et je donne un bidon vide contre un bidon plein. L'école de ma commune joue le jeu. Ouais. Voilà, ils me donnent tous les restes. OK. Ou avec ça, bah, je nourris une partie de mes poules. Il y a mes deux cochons qui vivent des jours heureux, qui sont des kouni-kouni, une race qui a failli disparaître et que j'aurais aimé faire reproduire, mais là j'ai trop de job. Et puis un cochon, ça mange son poids par semaine, quoi. Donc les cocottes, elles font 120 kilos. Donc par semaine, je me trimballe 250 kilos de plus de 250 kilos de déchets, quoi. Et ça, c'est complètement inscrit dans mon système culturel parce que ce que j'attends de ces bêtes-là, c'est que je les appelle mes agents biochimiques et biomécaniques, c'est qu'ils me prennent cette nourriture, ils me la transforment en caca, machin, truc, ils retournent le sol. Soit je les déplace et je plante en fait là où ils sont, soit je viens racler qu'ils n'ont pas mangé ou, enfin, ou ce qu'ils ont rejeté et je vais mettre ça dans les cultures. Voilà, en gros. OK. Pourquoi tu as fait un choix de partir sur la taille de 6 à 8 personnes? Parce que en étudiant historiquement ce qui s'est passé au niveau en fait de l'agriculture, faut savoir qu'au moment où la révolution industrielle a demandé de la main-d'œuvre, et ça c'est mon grand dada à l'heure actuelle, ça de rétablir la vérité sur ce qui s'est passé sur l'exode rural. Il faut savoir que au moment pile où l'industrie s'est lancée. Eh bien, on avait atteint, enfin, c'est un moment vraiment très charnière sur l'agriculture, c'est qu'on avait atteint un taux de production qui était par rapport en fait, à ce ratio nombre de calories nécessaires par rapport au nombre de calories produites qui était égal à, qui était 1 pour 1. Il fallait une calorie pour fabriquer en fait une calorie, donc on était dans le schéma parfait. Eh bien, c'était fin 19e siècle. Et c'était l'organisation sociale qu'il y avait dans les fermes. Ils vivaient entre 6 et 8 personnes, à peu près. OK. Il y a quelqu'un qui demande si tu peux développer le MSV un petit peu. Maraîchage sur sol vivant, le principe c'est de ne pas labourer, enfin, c'est de ne pas retourner les horizons. C'est le principe, si tu veux, c'est d'amener de la matière au départ, de faire que ton sol en fait devienne auto-fertile. Et que tu as les bactéries, tu as les vers de terre, enfin, tous les invertébrés, tous les insectes qui rentrent. Et là, il y a un nouveau truc qui est en train d'apparaître qui s'appelle en fait l'agriculture symbiotique et où c'est sur aussi ça va encore plus loin. C'est où en fait tu installes, c'est un peu comme le jardin forêt, on va dire. C'est qu'en gros, tu commences en fait à installer des arbres et que ces arbres, ben, tu commences à installer des plantes et puis en fait tes plantes elles deviennent de plus en plus grandes et du coup, ben, ça fait ça recrée une boucle puisque ça, je rappelle quand même en fait un fondamental, hein, c'est qu'une plante prend 95%, enfin ce qui constitue une plante c'est pris 95%, non pas dans le sol mais dans l'air. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des stratégies de dire par rapport en fait, au taux de carbone qui est faire des puits de carbone. Les forêts sont des puits de carbone parce qu'en fait, elles captent le carbone qu'il y a dans l'air et elles le fixent en fait, dans le sol où elles le séquestrent dans une structure qui est en fait un arbre. Voilà. Donc, le MSV, c'est une technique. Mais vous cherchez. Il y a un très bon livre de mon copain Gilles Domenech là-dessus, vous trouvez plein. Et puis je vous invite à regarder la chaîne YouTube de Vers de Terre Production qui fait la part belle justement à tous ces gens. Et qui les gens de Vers de Terre Production, à la base, c'était des gens qui ont créé le réseau MSV, enfin, qui ont participé avec Gilles Domenech, entre autres, à la création. Alors, la MSV fait réagir un petit peu. On nous demande si tu utilises la technique des TCO, T de compost oxygéné pour les cultures en MSV. Alors oui, enfin, on va pas se lancer dans tous les trucs. Je fais de la vermiculture, je fais de la lombriculture, je fais du lombricompostage, du vermicompostage. Oui, j'essaye tous ces trucs-là. Je fais énormément de purins, mais dans des quantités
dingue, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Et après, c'est un peu comme cette histoire, en fait, de chiffres. Je me rends compte que c'est… Enfin, pour moi, c'est vraiment une erreur que de vouloir aller trop profond dans certaines techniques. Je suis spécialiste de rien, mais je suis spécialiste du tout. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, moi, mon job, c'est vraiment d'aller chercher des compétences à droite et à gauche sur des domaines précis et de les assembler. Et de faire en fait un truc cohérent dans cet assemblage-là. J'espère être clair. Je pense Oui, que oui. c'est moi qui sonne. Je crois que c'est toi qui sonne. Peut-être. Je vais tout fermer. Hop. Normalement, j'ai tout fermé. Écoute, on verra. C'est tout fermé, normalement. Dans la réflexion que tu amènes, tu envisages que les personnes, que le projet que tu cibles de 6-8 personnes, il soit en autonomie complète? Ils puissent vivre techniquement en autarcie, Alors, ou est-ce que dans la réflexion, il y aura forcément un apport extérieur? l'autonomie en tant que telle, même si tu la contingentes sur ces deux aspects qui sont l'alimentaire et l'énergétique, c'est une utopie, une hérésie totale. Et je vais expliquer pourquoi, et d'ailleurs, c'est un des chapitres du livre que je suis en fait en train d'écrire. Ce que j'explique, c'est que les gens… Alors, je ne traite pas de la justice, je ne traite pas de la sécurité, je ne traite pas en fait de la santé curative et tout ça. Mais pour être sur un projet comme celui-là, il faut être en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé parce que nous avons pu bénéficier en fait de communs. Et je ne vais pas lancer un débat ultra houleux qui est celui en fait des vaccins, nanana, mais on a bénéficié en fait d'un système de santé qui nous permet d'être relativement en bonne santé et on peut s'appuyer dessus. Dès lors où on a un pépin de santé, parce qu'on a la sécurité sociale, parce qu'on a… Donc, l'autonomie, je vais faire une analogie, vous allez vite comprendre. On va prendre l'énergétique. Quand quelqu'un me dit qu'il est autonome, moi, je pourrais prétendre aujourd'hui que je suis autonome énergétiquement, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que j'ai acheté des fermes solaires. Même si je les ai achetées en kit, ces trucs-là, je ne les ai pas autoproduits. Ils ont une durée de vie. Donc, ça veut dire qu'en fait, que oui, je fais… pendant, si tu prends une, tu fais une photo à l'instant T. Oui, j'ai besoin de personne, c'est clair. Mais demain, j'aurai besoin de quelqu'un parce que mes panneaux vont vieillir. Enfin, c'est surtout mon onduleur, mes batteries encore plus. Il va falloir que je les remplace. Voilà. Et donc, la question d'autonomie, elle se résonne déjà d'entrée de jeu, forcément sur un groupe de personnes. Tu vois, de 6 à 8 personnes qui sont connectées à d'autres groupes. Et qui bénéficient en fait de communs. Et tout le jeu, c'est d'arriver à faire en fait une balance entre ces communs et ce sur quoi le groupe peut s'autonomiser. Et pour moi, l'équilibre, il est d'arriver à ce que ces petits groupes soient capables de s'autonomiser tout ou partie sur un certain nombre de choses. Tu as la fameuse loi de Brandolini, là, en fait, tu sais, c'est la loi des 80-20. C'est-à-dire, dans un projet d'autonomie, ben, il faut savoir cibler ce qui est intéressant de faire. Est-ce que c'est pour des questions financières? Est-ce que tu vas essayer de produire au niveau alimentaire les choses que tu ne peux pas te payer parce qu'elles sont très chères? Ou bien alors, dans un mode dégradé, ce qui est sûr qui va te sauver en fait la peau, quoi, en gros. C'est-à-dire que des tomates n'ont jamais sauvé les gens en fait de la famine, mais par contre on sait que voilà, ça amène du peps dans notre quotidien, nanani, nanana. Par contre, des patates, ça a sauvé en fait Les gens de l'humanité. la Hein. famille. Oui. Voilà. Donc Quelle est l'objectif? quel est l'objectif en fait de ton projet d'autonomie? Mais se dire que on vise l'autarcie. Mais non, c'est faux, parce que déjà, tu arrives avec un capital financier, social et, pour ne citer que, de santé, hein, sur lequel tu t'es appuyé sur des communs pour pouvoir en fait avoir ce truc-là. Complètement. C'est un peu en fait Mathieu sur la semaine dernière il mentionnait un peu la même chose. Il disait quand je réfléchis à un projet avec des gens, la première chose que je leur demande, c'est quoi votre objectif, quoi. Et en sachant que l'autarcie n'est pas un objectif, ne peut pas être un objectif en tant que tel.
Déjà, en À... fait, Ou en non, tout cas, mais. sur une période, il faut le viser sur une période donnée, en ayant conscience que de toute manière, à un moment, tu as forcément besoin d'un apport extérieur, quoi. Mais Que ce soit au début, ou enfin, en tout cas, forcément au début, mais à un oui. moment, il y aura forcément un moment où le système que tu as mis en place va se dégrader, et à ce moment-là, il faudra ramener quelque chose de l'extérieur. Oui. Que ce soit l'humain, que ce soit les installations, que ce soit. Voilà. Peut-être même je ne sais pas, si tu ne l'as pas bien pensé, peut-être même des intrants ou des choses comme ça. Tout à fait, mais c'est pour ça qu'en fait que je me méfie beaucoup de ces trucs un peu dogmatiques qui disent non, mais ça, j'y toucherai pas, nanani, nanana, parce que je veux te dire, quand tu es sur le terrain, si tu. Et encore, enfin, ça j'aimerais le préciser. Aujourd'hui, la manière dont je vis est un choix, ma part. Tu veux, il y a que mon éthique, que ma volonté qui me l'impose, mais je veux dire, c'est pas l'extérieur qui me l'impose. Demain, dans un monde dégradé, je rappelle qu'on est quand même dans le cadre d'Adrastia, qui étudie quand même la possibilité aussi d'un effondrement, enfin, c'est quand même le cœur même en fait, du sujet d'Adrastia. Si on est dans un mode dégradé, c'est pas la même chanson, quoi. C'est pas la même chanson, tu vois. Moi, je pense qu'on va prioriser les patates au cornichon. Hein. On est d'accord. Voilà. Et Ce sera pas le même potager, quoi. je leur veux pas du mal, hein. Mais les véganes, par exemple, qui sont très dogmatiques là-dessus, tu vois, je me dis, le jour où ça sera effondré, ça va être. Dans la réflexion que tu as par rapport à ton groupe de 6-8 personnes, là, est-ce que tu as réfléchi les choses comment? C'est-à-dire, est-ce que tu as réfléchi par exemple, en disant il y aura forcément un apport en céréales dans ce qu'ils vont produire? Est-ce que il y aura des légumineux, tu vois? Est-ce que tu as fait une palette de choses à produire qui couvrent, on va dire, différents besoins alimentaires? Comment tu as un peu constitué l'approche? En fait, ce que je viens de dire ju juste avant est absolument capital dans la compréhension, enfin dans l'approche. Oui. C'est est-ce qu'on se situe ou présitue en mode dégradé ou pas? Oui. Mais là, justement, dans la réflexion que tu as faite aujourd'hui, dans le projet que tu mènes, la vision que tu as, c'est de réfléchir à l'autonomie sous quel cadre, alors? C'est un hybride pour l'instant. OK. Parce que je suis incapable, voilà, je suis incapable de dire que si on était vraiment en mode dégradé, il y a peut-être des choses auxquelles je pense que nous avons accès et que je pense que nous pourrions encore avoir accès qui seront fausses. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je te posais la question parce qu'il y a eu cet article de Stéphane Audran qui faisait une petite analyse de ce qu'il produisait avec son potager et qui essayait un petit peu de remettre l'église au milieu du village en disant attention, vous faites un potager, vous pensez autonome et tout ça, vous oubliez que. Le fromage, que dans votre assiette, en fait, vous avez 400 calories par jour, 400 kilocalories par jour de votre jardin, mais en fait, vous allez rajouter du fromage qui est fait par le producteur d'à côté, le miel par votre producteur, vous allez acheter du pain Tout à fait, tout à fait. qui est finalement peut-être l'apport de calories qui est le plus important peut-être dans votre journée, plus des pâtes, etc. Donc du blé qui est produit à tel endroit, etc. Et tous ces aspects-là, on les oublie quand on vise une certaine autonomie, entre guillemets, parce qu'effectivement, ce n'est pas des choses auxquelles on pense. Et il y a énormément encore de gens, j'avais mentionné ça encore justement sur Facebook, je crois, dans un post ou quoi, il y a des gens qui disaient, oui, mais si tu te mets que à manger des légumineuses et des céréales, alors je ne sais plus, on parlait des pois chiches et des lentilles et des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai essayé de faire pousser des lentilles. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire pousser des lentilles. Et sincèrement, faut quand même faut se bouger les fesses après pour les récupérer, les trier, les machins, etc. Hein. Donc, surtout à la main. Enfin, je veux dire, si c'est mécanisé, etc., c'est autre chose. Mais quand on est chez soi et qu'on veut le faire comme ça et qu'on n'a pas les outils derrière, bon courage. Et en fait, je trouve ça vraiment pertinent parce que
C'est effectivement, oui, si, ou alors on mange que de la patate, et dans ce cas-là, ton apport calorique principal, c'est la patate, mais t'en bouffes tous les jours, deux fois par jour, et etc., j'ai envie de dire. Mais si tu regardes en fait, si tu regardes ce qui s'est passé, il faut savoir quand même que la pomme de terre, bon, c'est parmentier, hein, c'est pas si vieux que ça. Ah ouais, c'est plutôt récent. Dans l'histoire de et il faut savoir qu'en fait que c'était vraiment les céréales qui étaient au cœur du truc. Moi aujourd'hui, quelqu'un, si je devais donner une définition de quelqu'un qui veut être autonome au niveau alimentaire, je ne dirais pas que c'est un jardinier, c'est un céréalier. Voilà. Parce que d'entrée de jeu, les céréales, ils te couvrent 90% en fait de trucs. Ça, c'est un exemple que je prends souvent. Il y a un livre qui fait référence, parce que c'est un ouvrage absolument fantastique, qui est celui de Davernet Moreau, Le guide du maraîcher de Paris de 1850, qui est un ouvrage, voilà, où tout le monde est à genoux, et je comprends pourquoi il l'est. Mais par contre, ce que je reproche beaucoup aux gens qui, par rapport en fait à cet ouvrage, c'est qu'ils ne mettent pas en perspective que, oui, certes, les maraîchers de Paris étaient capables de produire des trucs absolument fantastiques, mais ça couvrait moins de 5%, c'est entre 5 et 10%, c'était souvent moins de 5% de ce que les gens mangeaient. Il y avait déjà tous les chemins de halage qui ramenaient en fait de la bosse, des tonnes et des tonnes de blé tous les jours, parce que il y avait le foin aussi pour les chevaux, en fait, dans Paris, il y avait tout ça. Donc, tout reposait derrière ce bouquin. Si tu prends un peu du recul, tu vois qu'en fait, il y avait l'omniprésence en fait des chevaux. Ils le disent, Davernet Moreau, hein, qui partait au hall livrer une charrette en fait de légumes et qui revenait avec une charrette de fumier, voire même ils y retournaient pour pouvoir en fait que les terrains qu'ils aient entre 4 et 5 000 mètres carrés puissent donner à fond. Ils avaient, mais ces chevaux, le crottin, il venait d'où ce crottin? Il venait des chevaux parce que les chevaux étaient nourris avec du fourrage, lequel fourrage n'était pas fait dans Paris, quoi. Donc c'était un intrant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et pour revenir à ce qu'on disait en fait tout à l'heure, cette question d'autonomie, on voit tout de suite qu'elle ne peut pas être sur un petit circulaire de 6 à 8 personnes. Tout de suite, ça commence en fait à grossir. Et pour revenir en fait à ta question, eh ben moi. Je fais un hybride parce que aujourd'hui, si tu veux, j'ai pas envie de bouffer que des patates. J'ai pas ici, c'était pas la patate, hein, ici c'était le châtaignier. Comme dans les Cévennes, hein, ils appellent ça en fait dans plein de régions, ils appellent ça l'arbre à pain. Pour rien au monde, il fallait rater le moment de récolte des châtaignes. Tout le monde y contribuait. Hein. Les vieilles générations pourraient attester que souvent, ils ne faisaient pas la rentrée scolaire parce que pendant les 15 premiers jours de la rentrée scolaire, ça correspondait à la récolte des châtaignes, et les gamins, ils n'avaient pas le temps d'aller à l'école parce que sinon, ils n'allaient rien bouffer en fait, de l'année, quoi. Et ils faisaient du pain avec de la farine de châtaigne, ils faisaient tout ça. Donc, si tu veux, cette recherche de cet aliment miracle, enfin, de cette matière première miracle hyper calorifique, ben, les peuples l'ont cherché. Les peuples l'ont cherché. Je rappelle quand même que en Irlande, la grande famine de 56 en Irlande, c'est dû au mildiou qui a décimé pendant 3 ans les champs de patates. Et il y a eu des millions de morts, tu vois, parce qu'on a touché à un instant T à l'aliment qui était. Le cœur de l'alimentation. T'as jamais eu des millions de morts parce que, comme cette année, moi j'ai balancé 600 pieds de tomates, bah, j'ai balancé 600 pieds de tomates, je ne suis pas mort, je suis encore là. Bon, alors, j'ai pu bénéficier d'autres choses en fait à l'extérieur, mais j'ai mangé tout cassé 3 kilos de tomates cette année. Par contre, bah, j'avais fait énormément de bocaux et je mange encore des bocaux de couilles de tomates de 2018-2019. Voilà. Il y a aussi ça hein, qu'il faut prendre en compte. Hein. Moi, les gens, ils regardent, ils me disent, mais pourquoi tu plantes aussi grand? Mais parce que tu n'es pas à l'abri. L'année dernière, on s'est payé une pluie pas possible pendant les trucs. Ça, tout le monde a perdu, sauf ceux qui badigeonnaient de bouillie bordelaise comme des sagouins tous les jours. Ils ont mangé un peu de tomates, ouais. Même sous serre, ça a pété en fait les tomates. Donc tu te payes ça quelques années de suite. De toute façon, chaque année, tu as un pet sur quelque chose et ça n'ira pas en s'arrangeant. Mais si tu es sur ton aliment pilier. Au niveau de ton apport en calories,
c'est chaud patate, quoi. Si tu n'as pas fait des stocks, là, c'est très, très compliqué, quoi. Tout à fait, ouais. C'est quoi, selon toi, les enjeux qu'on va avoir justement sur les questions de l'alimentation dans le futur? Vaste question. Les enjeux. C'est tout ce que j'ai dit en fait auparavant. Moi, enfin, aujourd'hui, je suis en décalage. Enfin, c'en est tellement triste que je m'anesthésie avec bon, on s'en fout, quoi. Quand je vois en fait les gens aujourd'hui, comment ils réagissent, enfin, pour beaucoup de gens, quand ils viennent là, ils sont là, ah, mais comment tu arrives à faire tout ça? Mais moi, je ne sais pas pour moi, machin. Mais mec, ou meuf, excusez-moi de parler comme ça, mais si tu ne le fais pas dans quelques temps. À mon sens, hein. Alors, c'est des grandes discussions avec Vincent Mignoreau que je salue, avec Laurent Hayet, que je salue aussi, tout un tas de gens avec qui voilà, je discute. Mais il se trouve que ces deux personnes que je cite sont venues là et ils ont tâté un peu du truc et ils ont dit ouais, ok. Donc, c'est quoi les enjeux? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que l'URSS va passer la mauvaise frontière et foutre un bordel pas possible? Qu'est-ce qu'on va donner? Il y a tellement de critères aujourd'hui d'instabilité que. En fait, alors je vais reformuler la question. Sur un plan alimentaire, Ouais. ce serait quoi les risques que tu, sur lesquels tu essaies de pallier par ton approche? Je prends pas le problème comme ça. Ok. Pour moi, je dis aux gens, de toute façon, vous n'avez rien à perdre à être le maximum autonome sur l'alimentaire. C'est une forme, en fait, c'est même pas, j'ose même pas utiliser le mot assurance, mais c'est peut-être, c'est la gestion en bon père de famille. C'est qu'est-ce que tu fais? Enfin, tous nos œufs sont dans un panier pollué, en feu, avec des trous comme ça, dans une bagnole qui roule. C'est pas une deux chevaux, c'est pas le test de la deux chevaux qui doit passer pour pas péter les œufs, qui roule à fond la caisse sur une route défoncée. Enfin, je sais pas quelle image donner, mais c'est tellement le bordel que je dis. Oh, bah. Pour moi, en fait, le débat, il est. Enfin, c'est pas ça sur ça. Faites votre potager dans votre coin. Développez votre truc, déjà ça va vous donner de l'expérience, déjà, et vous allez soulager la machine principale. C'est ça, si je dois résumer, c'est ça à quoi je pense. Alors, si on pouvait approcher les choses différemment, qu'est-ce que tu conseillerais en fait à des gens qui veulent se lancer dans développer finalement leur autonomie en termes alimentaires? Bien, surtout pas commencer sur ce que les gens rêvent de faire, c'est-à-dire acheter une ferme. Pour moi, là, tu m'emmènes sur des questions. On est dans une société qui est la culture du moyen et qui occulte systématiquement le besoin. Et je vais prendre un exemple précis. Est-ce que tu as un forfait illimité Ouais, sur je ton. crois. Bon, tu C'est sais ce que possible. c'est tu sais ce que c'est un forfait illimité? Oui. Ça n'existe pas un forfait limité. Parce que si tu regardes bien, tu donnes une somme pour avoir le droit de téléphoner autant que tu veux pour X jours qui contiennent 24 heures. Donc déjà, en fait, la notion d'illimité Oui, tout à fait. n'existe pas. Ouais, mais derrière ce truc qui peut sembler en fait de vouloir pinailler, il y a vraiment une notion en fait. Profonde de notre vision de la situation qui est complètement fausse. Et donc les gens, la première chose qu'ils se disent, c'est ah, je vais économiser pour m'acheter le moyen qui devrait
pouvoir me donner les moyens de répondre à mes besoins. Non. C'est quoi le besoin? Quand tu me poses la question du modèle alimentaire, enfin, de ce qu'il faudrait faire au niveau alimentaire, première question, comme Mathieu pouvait le poser, quand il y a des gens moi, qui me questionnent, alors je te dis, mais c'est quoi votre régime alimentaire? Si vous bouffez de la viande tous les jours, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, je ne peux pas vous guider. Si vous, consommez, je ne sais pas, du sucre, du sucre, voilà. Louis XIV buvait du café. Sauf qu'il avait deux personnes à temps complet qui s'occupaient de ses plans de café. Mais c'était Louis XIV. D'accord? Donc, je souris parce que j'ai un caféier à la maison. C'est un petit truc, un petit délire que j'ai fait. J'ai commandé des grains de café à faire germer. Je les ai fait germer. J'ai un caféier qui fait 1,80 m. Ah ouais, quand même. Ouais, en intérieur. Et qui a sa deuxième récolte, à sa deuxième production. Et je n'ai pas de quoi faire une tasse de café sur la deuxième récolte. Hein. Je n'ai pas de quoi faire une tasse. Et tu vois? Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis à fond dans les agrumes. J'ai 60 agrumes. J'ai 60 agrumes. Je commence à avoir une belle collection. Je veux dire, un arbre de 5 ans à l'intérieur d'une serre, tu comptes en moyenne sur 2 kilos, 3 kilos par an par arbre. Ah oui, tu ne bouffes pas beaucoup de pas beaucoup d'oranges. Alors après, quand il se met à se développer, nanani, nanana, mais tu n'es pas à l'abri d'un coup de froid, tu vois, d'un coup de gel, machin, un truc et tout ça. Voilà. Donc la question alimentaire, elle est complètement centrale. Il y a tout un pan de génération qui est en train de s'éteindre là au fil des années. C'est ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui, pour moi, ont vécu une expérience absolument unique, indépendamment du drame hein, que ça a été, mais c'est un exemple que je prends souvent, c'est qu'ils ont été rationnés. Et c'est des gens, après, qui ont eu une posture. C'est des gens qui avaient tous, en fait, dans leur cave, 3-4 boîtes de biscuits, au cas où, mais qui savaient dans leur tête que le au cas où allait durer qu'un certain temps et que peut-être que derrière, eh ben, il n'y en aurait plus. Mais ils s'étaient, en fait, préparés à ça. Oui, je pense que là, on vit dans un monde d'abondance où tu as faim, tu vas au supermarché et on n'est plus habitué à ne pas avoir faim, en fait. Enfin, on n'est plus habitué à avoir faim. Pardon. On n'est plus habitué à ne pas avoir à manger. On n'est plus habitué à ne pas avoir à disposition le choix, l'ensemble des produits. Et enfin, je fais une petite aparté, hein, mais j'ai vécu en Érythrée pendant 15 mois. J'allais au supermarché, j'allais à la supérette au coin de la rue, qui était, il y en avait on dirait une dizaine, une quinzaine dans Asmara. Asmara est une petite ville, la capitale. Et en fait, il n'y a pratiquement que des petites supérettes. Il n'y a même pas un Carrefour Market, quoi. Ça n'existe pas. Quoi. Dans la supérette, il y avait trois sortes de pâtes. On n'était pas obligé, on n'était pas sûr de trouver des yaourts à chaque fois. La plupart du temps, quand il y avait des yaourts, on avait de la chance déjà, mais on avait de la chance déjà que le frigo de la supérette marche. Le dentifrice, quand il y avait une marque de dentifrice. Quoi. Et la plupart des légumes qu'on trouvait, c'était des oignons, des tomates, des patates et après des graines. Donc il y avait tout ce qui est pois chiches et lentilles, etc., qu'ils utilisent beaucoup là-bas. C'était une expérience hyper enrichissante de revenir en France, d'aller à Auchan. Et d'arriver dans un rayon, je me rappelle le rayon des produits d'hygiène, et j'étais comme ça devant. Et le rayon des pâtes, c'était pareil, parce que je suis ressorti d'Auchan avec rien dans les mains. Je n'ai plus réussi, j'ai pas réussi à choisir, il y avait trop de choix. Et c'était, ça a été une des choses qui, moi, chez moi, a fait un déclic aussi, de me dire, mais on fonctionne à l'envers, en fait. Tout à fait, tout à fait. On est malade. Mais c'est, tu vois, c'est bien, même si ça a été passager, c'est 14 mois, c'est ça, 14 mois? Oui, 15 mois. Que tu as vécu là-bas, ben, ça a été, t'en es revenu avec c'est le choc des cultures, c'est le choc en fait de cette abondance qui fait que d'un seul coup, tu et
Et c'est là où moi je suis très inquiet de la situation, c'est le nombre de personnes qu'on risque de laisser sur le carreau, parce que ça va pas être, si jamais en fait à un moment ça dévisse, et je pense qu'on est passé plusieurs fois pas très loin de la catastrophe, mais après ça c'est mon analyse perso, hein. Si ça dévisse, mais les gens, enfin déjà tu vois qu'ils sont capables de s'entretuer pour une promotion sur un écran plat, alors quand on en sera en fait... Il était là. Sur des questions alimentaires, ou quand j'entends, je veux dire, moi, quand je vais au supermarché, et tu vois qu'en fait, mais pour moi, c'est le plus gros problème. C'est ce que j'explique. Excuse-moi si je digresse un peu, c'est que je dis qu'en gros, techniquement, on est capable d'apprendre aux gens, à quasiment à toute la population, à être autosuffisant sur un certain nombre de choses. En fait, les mettre au champ et qu'ils fassent des trucs, nanani, nanana, je pense qu'en fait, que c'est accessible à tout le monde. Piloter un projet, là déjà, tu n'es plus du tout dans les mêmes proportions. Tu n'es plus dans du 100%, tu es sur du 10%. Mais en gros, mais c'est des chiffres comme ça que je lance, hein. Après, il faut se faire, le débat n'est pas là pour moi, à l'idée qu'il y en ait qui pilotent et d'autres qui ne pilotent pas. Mais ça, c'est un autre truc. Mais ça marche encore. Pour moi, que tu aies 10% de la population qui soit là, en fait, à dire, entre guillemets, aux 90 autres, pas sans se la couler, enfin, pas les 10% qui sont des nantis, hein, qu'on se comprenne bien, mais qui aident les gens à s'organiser, nanana, ça marche encore. Mais là où c'est l'étape d'après. C'est la volonté. C'est être dans la durée. C'est être dans l'abnégation. Parce que les gens, en fait, bon. Il y a Bruno Chapleau là, qui a fait toute une série de planches sur ma pomme et qui a représenté à chaque fois ces petits bonshommes alors qu'on est en train de se baigner dans l'étang parce que pour l'instant, en fait, c'est une grosse source pour moi d'aller me laver, y compris dans de l'eau. Enfin, moi, tous les jours, je me lave. Je ne peux pas prendre une douche tous les jours parce que je vois traîner ma flotte, mais et je ne consomme plus l'eau des étangs parce que je me suis rendu malade, même en filtrant sur du Berkay et tout, tralala. Il faut vraiment que je gappe là-dessus. Donc, je vais chercher de l'eau de source pour l'instant, en fait, encore en voiture. Je trimballe tout à dos d'homme, hein, pour faire les 300 derniers mètres. Mais donc, je me lave tous les jours, en fait, avec l'eau de l'étang pour éviter les problèmes sanitaires et tout ça. Mais je ne chauffe pas l'eau, quoi. Donc, combien de fois enfin, bon, ça, il fait un peu plus clément, mais il y a 15 jours de ça. Tous les matins, je pétais la glace pour me laver. Les gens, ils regardent et ils disent, mais putain, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, quoi? Enfin, pour eux, ça les fait complètement halluciner. Moi, je leur dis, bah ouais, mais c'est comme ça, mec. Enfin, si je veux pas faire ça, voilà. Et c'est ce stade d'acceptation qui fait que pour moi, si on est en face d'un problème, ça va être très, très compliqué pour les gens. Très, très, très Oui, compliqué. je pense. Je suis d'accord. Je pense que les gens vont avoir énormément de mal à accepter les enjeux que ça va représenter, en fait. Ce n'est pas une vision. Enfin, voilà, je parle avec. Je ne fais pas ni un monde de bisounours, ni un monde Mad Max. Tu vois, je suis. Voilà, c'est ce que sur le terrain, je combats. Je pense qu'on peut pas, on peut pas de toute manière. Je sais pas si tu as enregistré, si tu as eu l'occasion d'écouter Denis Meadows interviewé par Julien Devoret sur Sismique. Non. Hyper interview géniale de Meadows que Julien Devoret donc a fait sur Sismique il y a quelques semaines, et où Denis Meadows explique que je sais, j'étais plus, je me rappelle pas exactement de la question, mais en gros il dit on peut pas prévoir l'avenir, mais on peut dire ce qui n'arrivera pas. Et le rapport Meadows, c'est ça. C'est qu'est-ce qui n'arrivera pas? Et ce qui n'arrivera pas, c'est que ça ne va pas continuer comme ça, ad vitam aeternam. Ça, c'est sûr. La manière dont ça va se péter la gueule, il n'y a aucune certitude. Mais ça ne durera pas. Donc, à un moment, il faut s'adapter. Et c'est ça, c'est pour ça que je te rejoins sur le fait de dire bisounours, Mad Max, ben, ça sera sûrement au milieu. Et ça Tous pourrait les deux pas. en même temps. Mais en tout cas, ça restera pas dans le monde dans lequel on est, ça c'est sûr. Ou les deux en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a des gens Oui. qui vivront dans un truc complètement bisounours à un instant T et qui seront projetés dans un truc complètement de Mad Max à un instant T. Aussi, Ou... oui.
Voilà, ça fait tout. Mais tu sais, ça me rappelle justement quand j'étais entrepreneur, on disait il faut absolument faire un business plan. Et quand on avait fini en fait le business plan, on regardait le truc, on disait bah, on est sûr que ça ne sera jamais ça qui se passera. Mais il faut le faire. Tu vois? Et je suis assez d'accord avec cette philosophie-là, c'est-à-dire de se fixer des objectifs qui sont des objectifs de production, des machins. Mais moi, le matin, tu vois, j'ai des tableaux, enfin, bon, j'ai eu un métier vraiment dans l'organisation et tout ça. Et chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, ils me disent ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont en demande. Alors, soit je leur présente le tableau, soit ah, on va faire ça, ah, super. On se lève le matin, mais tu es sûr qu'on n'a rien fait de tout ce qui est marqué. On a fait d'autres choses parce qu'il y a un cheval qui s'est barré, parce que tu es une clôture qui a pété, parce que tu rentres, je sais pas, il y a un voisin qui s'invite ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Après, dans l'ensemble, bah. Ah bah tiens, il fallait que je fasse ça. Bah tiens, j'ai 10 minutes, il me faut 2 heures. Bah j'ai 10 minutes, je le fais. Puis je répète demain. Et puis bah, ce que je pensais faire en une journée, et fini à tel moment, bah, c'est fait. Et puis à un autre moment, bah, tu ne sais pas pourquoi. Le truc que tu repoussais au calendrier grec parce que tu pensais que tu en avais pour des mois, boum, ça va tomber. Et en 4 coups de cuillère à peau, ça va se faire. Quels sont les... je reviens là, je regarde un petit peu les questions que je voulais te poser. Il y en a une qui est, que j'ai pas posée, qui est un peu liée à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelles sont les contraintes météo que tu crains le plus? Bah, moi, je suis venu dans le Périgord vert parce que je savais qu'il y avait de l'eau. Oui. L'année Donc. dernière, j'en ai eu un peu beaucoup trop. Okay. Voilà. Non, mais Ouais. à l'heure actuelle, pourquoi j'ai planté 1000 arbres? J'ai planté des porte-greffes, enfin, des arbres qui je sais, ne peuvent pas normalement se plaire ici parce que c'est trop humide. Mais je me dis que peut-être qu'ils vont végéter dans 10 ans. Et que le changement climatique fait que dans 10 ans, ils seront pile au bon endroit au bon moment. Ouais. Donc, je teste. On est, enfin, je m'inclus dedans parce que j'ai un peu cette réflexion. Mathieu me disait un peu la même chose aussi, hein. C'est d'anticiper ces choses-là en mettant pas tous ses œufs dans le même panier, ce que tu disais tout à l'heure. C'est voilà, tester des choses et de lancer des. Tu vois, j'ai découvert, c'était pour l'année dernière qu'en fait, il y a des gens qui ont commencé à faire pousser des mangues et des avocats dans le sud de la France. Et je lui dis, bah, génial, mais ces trucs-là vont remonter à un moment aussi. Peut-être que dans 20 ans, on fera pousser des avocats en Rhône-Alpes, quoi. Mais tu vois, aujourd'hui, tu as des grands châteaux qui plantent de la vigne en Écosse. Ouais. Des grands châteaux français. J'ai des copains qui sont viticulteurs. Il y a 2 ans déjà, il me disait qu'il était en train de chercher des terrains plein nord. Mais tu sais ce qu'ils font à l'heure actuelle? Tu as des nouveaux contrats qui se font en fait dans les vignes pour installer des fermes solaires à Oui. claire-voie. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, ils mettent un panneau sur deux Oui. pour que ça crée de l'ombre et que du coup, les vignes, elles poussent dessous. Oui, et même en agroforesterie, hein, ce gars-là, lui, il plante des arbres au milieu de ses vignes, quoi, pour faire de l'ombre. Et il cherche aussi des cépages du sud-sud, de l'Espagne, des choses comme ça, des Rioja et compagnie, pour faire remonter ici, parce qu'il sait que ça va changer, quoi. Bien sûr. Il anticipe ça. Bien sûr. Mais c'est pour ça aussi que moi je plante des tonnes d'arbres, moi, c'est que je suis toujours. Alors ces temps, je fais un peu la chasse aux résineux, tu vois, je suis en train d'essayer d'abattre un peu tous les résineux qui sont là parce que ce n'est pas leur biotope. Voilà. Et que tant qu'à abattre un arbre pour faire de la construction, je préfère en fait abattre un résineux, tu vois, qu'un feuillu. Mais bon, j'essaye de conserver en fait les feuillus. Et puis, bah. Là, les derniers fruitiers greffés que je plante, je les plante en milieu de chêne. Alors, des chênes qui ont été plantés par l'homme, bien alignés, nanani, nanana. J'en fais sauter quelques-uns, mais je les plante au milieu des chênes. Et puis, ben, peut-être qu'à un moment, je serai obligé d'aller faire le singe, enfin, si j'ai encore l'âge pour le faire, pour aller étêter les chênes. Et c'est le meilleur que je me souhaite, hein, tu vois, Ouais. d'aller de faire sauter les
Parce qu'après, si tu dois faire sauter des gros chênes au milieu de ton verger, quand il y en a qui tombent et qui t'écrasent, 5 arbres fruitiers, tu as tout gagné, quoi. Donc voilà, mais c'est des trucs. On est sur de l'empirique, hein, là, bien malin celui qui peut prédire en fait ce qui va se passer. Hein. Complètement. Et quelque part, c'est ça qui est, enfin, c'est ça qui est intéressant aussi dans ton expérimentation, finalement, hein. C'est d'avoir des retours. Comment tu gères au-delà de ce que tu partages, j'ai envie de dire de manière quasiment journalière sur ta page. Qu'est-ce que tu comment tu comptes passer, transmettre les résultats de cette expérimentation? Tu disais que tu écrivais un livre, mais il y avait d'autres. Oui, moi je rêverais que, et c'est un appel hein, d'ailleurs, qu'il y ait une équipe qui se monte et puis qui reprenne ce qui est écrit sur Facebook, parce que j'ai trop la trouille que la plateforme à un moment soit me sucre mon compte ou quoi que ce soit et le remonte dans un blog pour faire des. J'ai une idée assez précise. Hein. Pour moi, Facebook, si tu veux, c'est un peu la société du spectacle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon quotidien. Moi-même, aujourd'hui, je publie plusieurs fois par jour. Et ça amène une dimension que je trouve très intéressante, qui est celui un peu de journal de bord, d'un quotidien où je me permets, et il se trouve que là, j'ai vu un article que c'est la nouvelle tendance. Tu t'en fous que ça ne soit pas cadré, tu t'en fous que le son ne soit pas super génial. En fait, c'est la répétition. Et les gens, ils voient que je suis là, tous les jours, je suis là. Les chevaux, les armes, les machins, tous les jours, je suis là. Il pleut pas, machin, truc. Voilà. Ça, je pense qu'il y a de la matière pour que ça puisse être diffusé sur d'autres canaux, alors, encore des canaux numériques. Le papier, bon, ben ça, je m'y attelle. J'ai le vœu pieux de lancer depuis des années ma chaîne YouTube, hein, voilà. Mais c'est un boulot. Moi, alors déjà que je suis submergé de boulot, je suis tout seul. Hein, je suis tout seul en face de tout ça. Et donc, il faut que la ferme tourne. Je fais de la recherche et du développement et je fais de la communication. C'est trop. Enfin, c'est 3 fois trop pour un homme. 3 fois trop. Voilà. Donc, je ne peux pas faire tout bien. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Voilà, donc j'espère qu'à un moment, j'arriverai à déléguer. Moi, mon truc, ce serait vraiment de faire de la recherche et du développement et de la com. Ce serait vraiment ça que j'aimerais, ce sur quoi me concentrer. Et si j'arrivais à un moment à trouver un équilibre budgétaire pour que quelqu'un fasse tourner toute la partie alimentaire et énergétique pour ce qui est, tu vois, des semis, de l'entretien, des machins, ah, mais ça, je déléguerai, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, quoi, mais c'est que je pense qu'en fait, que ma plus-value, elle n'est pas là. Tu vois, ma plus-value, elle est dans l'expérimentation et dans la pédagogie, en fait, d'expliquer en fait, ces choses-là, dans l'approche, en fait, du truc. C'est là. Après, c'est par hasard, hein, j'ai beaucoup enseigné quand j'avais mes sociétés. Donc, si tu veux, c'est un bis repetitas, en fait. Et puis, la gestion de projet. Ce que j'expliquais en fait tout à l'heure, c'est primordial. Sur un projet comme ça, c'est primordial. Si tu commences en fait à te fixer des objectifs qui ne sont pas bons, tu n'as pas 50 chances en fait. Hein. Tu as une ou deux chances. Hein. Et c'est un mec qui a pété déjà deux couples qui vous en parlent. Appel du pied à ceux qui nous regardent maintenant et ceux qui nous regarderont plus tard. Hein, si vous sentez l'âme de venir travailler avec Pierre, Alors, portez-en courage. sur le numérique, parce que pour l'instant, on me propose tous les jours, hein, les gens me proposent en fait de venir me filer des coups de main, mais c'est trop chronophage pour moi pour l'instant. Voilà. D'accueillir du monde sur place, je n'ai pas les infrastructures pour les héberger, l'eau, enfin même. Je bénis le temps où mon fils vient là, et tu vois, tout à l'heure, on était en train de traîner des bidons, et il me disait, mais papa, il n'a pas 7 ans, hein, mais papa, mais alors la réserve d'eau, tu es obligé de faire le plein tous les combien quand je ne suis pas là, quand je suis là, tu vois. Il a compris, c'est essentiel, et il voit bien que c'est harassant, harassant. Et donc, pour l'instant, si tu veux, il y a quelques personnes qui sont venues et qui sont, ici, nous regardent, qui sont encore les bienvenues, c'est des. Personnes
qui me sont proches, on va dire, tu vois, et qui commencent à savoir un peu comment ça tourne et sur lequel, en fait, je peux me reposer. Parce qu'il y a un truc, alors là, qui est ultra, ultra compliqué avec les animaux, c'est la présence. C'est que je ne peux pas m'absenter. Et ça, c'est ultra lourd. Ça, c'est ultra lourd. Je ne te parle pas, en fait, d'aller se faire bronzer la couenne 15 jours aux Seychelles. Je te parle sur des trucs. Moi, quand je ramène mon fils, en fait, à Lyon, je fais 1 000 km dans la journée. Je sais que, quelles que soient les conditions météo, et il s'est trouvé que l'année dernière, il y a fait un peu plus d'un an, il y a eu une fameuse tempête dans le massif central le jour où je l'ai ramené. Je me suis tapé deux fois la tempête dans le massif central à l'aller et au retour. Et à l'époque, j'étais en fait encore en couple. Aujourd'hui, ça m'arrive, mais je sais que j'ai pas le choix. J'avais mis 2 heures pour faire 60 km. Voilà. Il faut que je les fasse. Il faut que je revienne. Coûte que coûte. Ok. Je regarde si j'avais des questions et s'il y en a d'autres qui sont arrivées. Il n'y a pas eu d'autres questions pour l'instant sur le chat. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager? Est-ce que tu as un message que tu aimerais passer, profiter un petit peu là de notre discussion pour passer des infos? On a encore 10 minutes devant nous. On peut en profiter. Bah, écoute, quel message j'ai à faire passer? Ouais, bougez-vous, quoi. Bougez-vous, bougez-vous. Ça sert à rien de vouloir d'attendre d'avoir de l'argent pour acheter une ferme, pour se mettre. Le premier truc qu'il faut que vous fassiez, c'est cuisiner. Parce qu'il n'y a pas d'interface quand vous voulez viser l'autonomie alimentaire. Du coup, il n'y a pas l'interface entre le jardin et votre assiette, quoi. Enfin, si, l'interface, c'est vous, quoi. Voilà. Voilà. Je prends cet exemple. On est à la fin de l'été. Vous regardez la météo. Vous voyez qu'il y a des grandes chances qu'il va geler pour la première fois depuis des mois. Et vous avez toutes vos tomates qui sont encore, en fait, vos plants de tomates qui sont encore, en fait, là. Ben, vous savez qu'en fait, qu'il faut que vous ramassiez tout ce soir. Et qu'est-ce que vous faites avec 50 ou 100 kilos de tomates? Est-ce que vous allez avoir la casserole adéquate pour faire ce truc-là? Est-ce que ça va sur votre gazinière de 60 cm, ça va matcher? Non, ça ne va pas matcher. Et donc, toutes ces questions-là, quelqu'un, il se trouve que dans les personnes qui viennent me voir, il y a mon petit cousin qui est un pur citadin, qui habite plein centre de Lyon et tout. Et à l'heure actuelle, je fais un espèce de. Il est venu là, et bon, il s'est très bien débrouillé, il n'y a eu aucun souci. Je lui ai fait un espèce de training. Ah, mais je lui ai dit, mais je t'occupe, gars, je t'occupe pendant 2 ans, tous les week-ends. Il a sa fille pareille, une semaine sur deux. Julien, si tu nous regardes, je t'embrasse. Ben, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Et je peux te dire qu'il vit en plein centre de Lyon. Il a acheté déjà deux ou trois agrumes, je ne sais plus, deux ou trois agrumes. Il va faire un stage chez les croqueurs de pommes pour apprendre à greffer. Il fait son lombricompost, mais c'est pareil, ces histoires, tu vois, du zéro déchet. Mais oui, c'est bien de le faire, mais c'est comme les graines Cocopelli. Je veux dire, oui, quand tu es citadin, c'est bien de le faire, mais à mon sens, il y a des actions qui sont encore bien plus bénéfiques sur lesquelles il faut se lancer. Quand tu poses la question aux gens, qu'est-ce que vous consommez? Faites un inventaire précis de ce que vous consommez en alimentaire. Les gens, ils oublient que les gamins, ils mangent à la cantine. Ils oublient qu'en fait, que le week-end, ils vont souvent chez papa et maman faire un repas de famille. Ils oublient les 5 semaines de vacances qu'ils vont faire à droite et à gauche où c'est souvent en fait de l'all inclusive. Ils oublient les repas qu'ils peuvent prendre, en fait, les sandwichs, machin truc, parce ils sont entre deux réunions, nanani, nanana. Ce qui fait que les gens ne maîtrisent pas du tout. Et quand ils regardent réellement le quantitatif qu'il y a derrière tout ce qu'il faut, en fait, ils disent, mais c'est pas possible. Mais si, sauf qu'en fait, que tu n'en as pas la charge. Voilà. Et dès que tu ramènes ça dans ton giron, mais ça te fait déjà avoir une vision.
avec beaucoup plus d'humilité en fait de la situation. Donc ça serait un conseil. Mais mettez-vous à faire des choses simples. En fait, si tu veux, quand les gens regardent la situation, ils ont tendance à vouloir remonter à la source. Alors les gens vont dire que je bloque sur les graines, mais bon. Et en fait, ils se disent, ah bah tiens, il faudrait que je mange mieux. Ah, donc je vais manger moins d'industriel. Ah oui, mais je devrais acheter en fait du bio. Oui, mais ça serait bien que je le produise. Oui, mais il ne faudrait pas que ce soit n'importe quelle graine. Et nanana. Et en fait, ils restent bloqués. Ils ont remonté le chemin et ils restent bloqués. Mais non, ce n'est pas parce que tu as remonté le chemin qu'il faut commencer de tout en haut. Il faut commencer en fait de là d'où tu pars. Et donc, quelque part, d'apprendre à cuisiner. De se dire, bah, j'arrête d'acheter des plats tout prêts, j'achète machin, je cuisine que des trucs bruts, tu vois, qu'à partir en fait de trucs bruts. Comment je fais pour stocker? Allez, je me lance ce mois, enfin, j'achète pour un trimestre de pâtes. Voilà. Et puis après, j'achète pour une année de pâtes, tu vois. Et puis tu jauges, quoi, tu dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais en avoir marre ou pas? Ça amène des trop choses. T'as pas besoin d'acheter une ferme pour faire ça. Oui, complètement. C'est un très bon point, en fait, de repartir en arrière, de recommencer plus près de soi, finalement. De ses besoins? Et de se projeter dans le là-dedans, ouais, dans ce. Oui, c'est vrai que c'est une. J'entends complètement le message de. Enfin, ça a été mon cheminement aussi, hein. Ah, bah, je vais acheter des graines Cocopelli. Je pense que je dois avoir un stock de graines Cocopelli que je n'ai pas encore semé, là. J'en ai acheté l'année dernière, puis j'ai acheté aussi des plants sur un marché qui était déjà prêt, puis j'ai planté les plants parce que je n'ai pas eu le temps de m'occuper des graines, en fait. Et puis c'est un métier. Et puis c'est un métier. Pépiniériste, c'est un métier. Tu vois? Et puis pourquoi en fait aller acheter du terreau Classman, qui est l'un des meilleurs terreaux, mais qui vient de Hollande? Pourquoi à ce moment-là, les gens ne font pas leur terreau? Mais t'en finis pas. T'en finis pas. Voilà. Et résultat des courses, tu as fait pousser trois radis. Alors que eh ben, tu demandes au voisin, OK, c'est pas propre, il vient te péter ton sol. Oui, c'est pas du MSV. Avec son motoculteur, tu vas acheter en fait tes plants. Bah, tant pis si ça sort en fait de grande surface, mais tu as fait ta bouffe, et ben le gap à la sortie, l'équation, elle te donne en fait une meilleure note sur un plan carbone, sur tout ce que tu veux. Voilà. Sauf que les gens, aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est ils veulent l'éthique. Moi, je n'ai pas de souci. Je veux dire, j'ai deux bagnoles ici. Là, je suis en train de racheter un deuxième tracteur. Bon, je vais revendre le premier. Mais voilà, parce que j'ai fait l'ayatollah pendant. Je me suis dit, ouais, j'ai 150 douglas à abattre. Je vais tous les tirer avec les chevaux. Et à un moment, le corps, il te dit, eh oh. Ouais, complètement. Écoute, Pierre, ça fait 1 heure et demie qu'on parle et je te remercie énormément pour ce qu'on a partagé. Je t'en prie. Toujours intéressant de t'écouter, passionné. Je sais pas, on a été nombreux, les gens, ils ont plus de questions en Écoute, fait. j'ai pas vraiment finalement regardé. À un moment, on était une trentaine, je crois. On verra si les gens nous rejoignent plus tard sur YouTube pour voir cette vidéo. C'est souvent ce qui arrive, hein. J'ai rarement eu des grands afflux en direct et la plupart des gens viennent voir la vidéo. Donc, on en a discuté tout à l'heure avec Pierre. Vous pourrez trouver cette vidéo sur ta chaîne, Pierre. Ouais. Et puis, je la mettrai sur la chaîne YouTube d'Adrastia. Pierre, j'ai envie de te remercier encore pour ce soir, pour ce partage. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer peut-être chez toi. A priori, pas chez moi parce que tu ne te déplaces pas. Ah si, je peux venir toucher le mur et repartir, quoi, boire un Voilà, café. c'est ça. Où tu viens avec tous les animaux, Ouais. tu passes un moment dans le pré, là, hop, et tu repars, quoi. Ouais. Alors, même si tu as un peu de surface, je pense qu'en fait, ils On vont ne te va pas faire la rester longtemps. misère en deux coups de cuillère à peau. Euh, C'est ils vont ça. tout, ils vont tout, euh, ils vont tout réduire en bouillie, quoi. Ouais. Non, mais écoute, à l'occasion, en tout cas, je passerai en Dordogne avec plaisir. Pourquoi pas? Pas de problème, ça marche. Ça marche. Bon, prenez bien soin de vous. Merci encore pour cette Merci à interview. tous pour ce soir. Pierre, à bientôt.
et restez connectés pour la suite des lives Adrastia. Au revoir à tous. Ciao.